Bonjour à tous, votre JT des produits de bourse avec Trading Central. À la une de l'actualité, vendredi, on retrouve Kering. Le groupe de luxe a réalisé une émission obligataire pour un montant total d'1,5 milliard d'euros, se répartissant en une tranche de 750 millions d'euros à 3 ans et une tranche de 750 millions d'euros à 8 ans. Les analystes de Trading Central sont baissiers sur le titre et visent 464 et 405 euros. Saint-Gobain, le spécialiste des matériaux, de son côté confirmé, anticipé pour l'exercice en cours une progression de son résultat d'exploitation à taux de change comparable. Par ailleurs, le chiffre d'affaires est ressorti en augmentation de 16,4% sur une base comparable à 12 milliards d'euros. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent 59,40 € et 63,40 €. La stratégie du jour, il s'agit d'Air Liquide. Après une phase de consolidation sous les 164 €, le titre a pris appui sur les 157 €. Ancienne résistance redevenue support pour rebondir. L'ouverture en trou de cotation haussier du 29 avril permet la cassure des 164 € et libère un nouveau potentiel de progression. Les indicateurs techniques sont bien orientés et ne montrent pas de signe de retournement. Ainsi, tant que les 157 € ne sont pas enfoncés en clôture, une poursuite de la progression est anticipé vers 168 € dans un premier temps, puis 174 € en extension. Portez-vous à l'achat sur la Rancol H867T, émis par Unicredit, de prix d'exercice 170 € et de maturité au 14 décembre 2022. Enfin, notre coup de projecteur sur le CAC 40, les cours se maintiennent au-dessus du support technique à 6400 points et tentent de s'affranchir du gap baissier ouvert le 25 avril dernier à 6581 points, une confirmation du dépassement de cette résistance. Ouvrirait la voie à un rebond vers 6715 points. Portez-vous à l'achat sur la Rancol A557T, mis par Unicredit, de prix d'exercice 6900 points et de maturité au 16 septembre 2022. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À tous, à demain.